Baby, I think I'm finally starting to get you. She told me through her teeth and her perfume. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être un petit outfit of the week du coup, comme j'ai déjà fait assez régulièrement. Cette semaine, pour vous résumer rapidement la semaine, du coup c'est une semaine où j'étais à Toulouse. J'ai pas mal bossé à la maison et en général chaque jour je suis sortie une ou deux fois pour aller acheter à manger emporté. Cette semaine du coup c'était mon rendu final d'archi, du coup samedi dimanche, du coup c'était chill, enfin c'était trop cool. Donc je vous montre un petit peu toutes mes tenues de cette semaine. J'ai pas tout filmé les jours même parce que des fois il faisait pas beau etc, du coup on voyait rien. N'hésitez pas à rester quoi si ça vous intéresse, parce que je pense que je vais faire un haul seconde main. Là je pense que je vais faire des commandes sur Vinted et tout. À vous abonner et c'est parti pour la première tenue. On commence avec la petite tenue du lundi. Donc lundi c'était train, deux rendez-vous médicaux, etc. J'ai mis en bas une paire de Uggs parce que je vous ai déjà expliqué, c'est quasiment les seules chaussures qui me font pas mal aux pieds avec mon problème. Donc pour l'instant je mets que celle-ci. J'ai un legging simili cuir qui vient de chez Calzedonia que j'ai acheté récemment. Je vais vous montrer après sans ma veste, mais du coup ma veste était une ancienne Zara, je crois qu'elle est dispo sur Vinted. Mon sac c'est une édition limitée Zadig et Voltaire, je crois qu'il ne se fait plus. Et mon chapeau du coup c'est un chapeau Zara. J'aime trop ce style avec plein de matières différentes etc, je trouve ça trop cool. Et pour vous montrer du coup sans la veste, voilà comme ça fait. La chemise du coup c'est une chemise Zara que j'avais acheté avant Noël je crois. Je vais peut-être en acheter une genre Cézanne ou quoi, genre une bonne marque genre sur Vinted, parce que j'aime trop ce style. Et voilà pour la petite tenue. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais pousser la plante parce qu'elle prend un peu trop de place. Ensuite, deuxième tenue, toujours tenue du lundi parce que je me suis changée pour aller chez le dentiste entre temps vu que j'avais pris le train, etc. Je voulais juste vous montrer ça. Et également parce que j'avais envie de faire une photo sur Instagram dans une tenue différente parce que j'ai plus de photos pour Instagram en ce moment vu que je fais plus grand chose. Et du coup, je vais vous montrer ça. Mais pareil, type de tenue genre hyper basique qui passe tout le temps avec tout. Du coup, pour vous montrer juste mon écharpe, c'est une écharpe H&M. Mon manteau, c'est un manteau H&M aussi, je crois. Mon sac, toujours du coup le Zadig et Voltaire. Dès que j'ai un sac un peu gros à prendre, je le prends parce que j'ai des affaires dedans. J'ai plein de changer. Et au niveau des chaussures, c'est également une paire de Uggs parce que comme je l'ai dit, j'ai moins mal dedans, sachant que j'ai mal dans toutes les chaussures, mais j'ai moins mal dedans que dans d'autres chaussures. La tenue en dessous du coup, c'est j'ai cette chemise qui est trop canon je trouve, et pourtant que je porte pas si souvent que ça, enfin je la porte en général surtout au printemps parce que je trouve ça trop beau avec cette couleur, mais que j'avais eu chez H&M également, c'est rigolo. Et le pantalon, je porte très peu souvent des jeans couleur jean, mais je sais pas, là j'avais envie, je trouvais que ça rendait bien. Et c'en est un de chez Pull&Bear je crois. Du coup, pour vous montrer ma petite tenue du mardi, aujourd'hui c'était travail à la maison avec ma binôme et on est sorti chercher Walk to Walk le midi. Du coup, Walk to Walk, j'adore, genre c'est trop bon, ça Toulouse. Bref, du coup, pour vous montrer, quand on est sorti, j'ai ma petite casquette, donc c'est une casquette H&M Gavroche et j'aime toujours autant. D'ailleurs, j'ai trop envie de m'acheter des bonnets, c'est hyper tendance, en même temps ça sent super chaud, donc trop cool. Pour vous montrer, du coup, juste, et je vais l'enlever, je prends tout le temps un tote bag avec moi parce que j'aime bien prendre un mini sac. Et du coup je prends un tote bag avec moi et c'est trop cool, ça permet de pas utiliser de sac. Petit sac à main du coup c'est le mini M de chez Maje et je trouve trop canon, et du coup je l'ai eu pour Noël. Et pour vous montrer du coup ma veste, c'est une veste Primark que je m'étais achetée et que j'aime beaucoup trop. Je l'avais achetée l'an dernier ou l'année d'avant. Elle est genre en mode crop top, mais du coup je l'avais pris genre en L ou en XL. Et j'aime trop parce que du coup elle est en mode hyper loose et tout, et ça fait super stylé je trouve. Du coup, la petite tenue en dessous, on est sur du total black et j'aime trop ce type de tenue. Donc désolé pour le parquet qui craque. Le jean du coup c'est un collusion, c'est un jean mom. Ensuite ma chemise du coup c'est une chemise Zara du S pour vous dire. Et la blanche de tout à l'heure c'était du M, qui est un peu pareil en satin etc. Pour les chaussures du coup ce sont mes bottines Stradivarius. D'ailleurs vous avez été pas mal à les aimer, franchement je les aime beaucoup trop moi. Et donc voilà pour la petite tenue, j'aime trop le style, puis après avec le manteau loose par dessus, j'adore. Petite tenue du mercredi aujourd'hui, full taf du coup, besoin d'être hyper confort et tout. On est juste sorti pour aller se chercher un Starbucks parce que on avait envie d'un petit chocolat etc. D'ailleurs j'ai ramené ma cup réutilisable, donc trop cool. Full confort du coup, ça rime avec total look black. Je vais vous montrer, mais du coup j'avais juste mis ma veste. Moi c'était une pinky, mais vous savez il y avait des Zara etc, c'est des bombardiers, et ça se trouve de ouf sur Vinted. Toujours ma casquette Gavroche, mes lunettes, le petit lunetier. Et mon pantalon c'est un H&M, mais j'en ai un Bershka que je préfère parce que lui il s'arrête genre pas au bon endroit, alors que j'en ai un qui va plus jusqu'aux chaussures. Mes chaussures c'est toujours mes haches que j'aime d'amour. Et d'ailleurs je me commandais une autre paire de chaussures parce que je les mets tout le temps.
Voilà, et je vais vous montrer, mais en dessous j'ai juste un petit col roulé pour être hyper chill quoi à la maison. Et voilà pour la petite tenue du dessous, vous voyez, c'est genre vraiment les pantalons hyper confo, mais en même temps c'est pas un pyjama. Le pull du coup c'est un col roulé assez fin, super confortable, il tient pas trop chaud, en même temps il est grave cool, qui venait de chez Primark je crois. Hello les gars, alors petite tenue du jeudi, on voit pas grand chose, je suis désolée. Aujourd'hui full taf parce que le rendu final est demain, donc aujourd'hui ça va être jusqu'à je ne sais pas quelle heure cette nuit. Bref, je voulais juste vous montrer du coup ma petite tenue du jour. Je ne sors pas du tout de chez moi, mais ça me fait quand même plaisir pour bosser d'être habillée. Donc pour vous montrer, j'ai toujours mes Uggs parce que c'est confortable même à la maison, qui sont hyper vieilles. Mon leggings Calzedonia parce que j'avais pas envie de ne rien porter en dessous de ça. Le t-shirt, c'est un t-shirt Urban Outfitters à mon copain. D'ailleurs j'ai trop envie de m'en acheter plein, genre sur Vinted ou pendant les soldes ou quoi, parce que j'aime trop ce genre de t-shirt, mais genre de les prendre en plus grande taille pour que ça me fasse vraiment des robes. C'est en dessous de ça mettre des cols roulés. Du coup là c'est un col roulé que j'avais acheté chez H&M et je trouve ça super stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop ce petit style. Et voilà quoi, avec des lunettes et du taf. Voilà pour la petite tenue du jeudi, pas de manteau ni rien aujourd'hui. Tenue du vendredi, cette chemise, c'est une chemise un peu en mode bûcheronne, etc., dans les tons kaki, qui est à mon copain et à moi, enfin en mode on l'a acheté en fripe. Et du coup, bah, genre moi elle est vraiment très grande, mais en même temps elle donne un effet un peu stylé et tout. J'aime bien même quand elle est fermée, etc. Au niveau des chaussures, du coup, c'est des Uggs kaki qui vont bien avec, je trouve. En dessous, du coup, c'est un jean mom que j'avais acheté chez Pull&Bear il y a super longtemps. Et un petit t-shirt hyper basique Zara. Voilà pour le style du jour. J'aime beaucoup et en même temps c'est super confortable. J'adore les trucs hyper oversize et tout, donc voilà. Alors petite tenue du samedi. En vrai là c'est mouillé parce que c'est technique du bled un peu, genre pour pas repasser je mets de l'eau et ça lisse un petit peu. Bref, pour vous montrer, petite tenue du jour, toujours mes Uggs parce que encore une fois j'ai pas mal aux pieds avec. Petit short, d'ailleurs tu connais le collant qui s'est cassé qu'il va falloir que je change. Petit short Zara, je l'aime bien, il est mims. Et du coup en dessous c'est une chemise hyper basique de chez H&M, assez vieille, je crois que je l'ai même utilisée pour la danse et tout il y a plusieurs années. Mon pull c'est un pull Zara que j'avais acheté en L1 et que j'aime beaucoup, il s'abîme pas trop et tout, donc c'est cool pour un pull noir. Et la technique, je sais pas si vous connaissez, mais parce que moi j'aime pas quand les pulls retombent à leur taille normale, j'aime bien les remonter un petit peu et du coup en général je les clipse, du coup je pense que ça doit les abîmer mais c'est pas grave, avec une pince du coup comme ça. Je vais mettre ce pull toutou mouton. J'ai l'impression qu'on voit pas les vraies couleurs. Ce pull toutou mouton qui est kaki également, qui est pas du tout marron sur moi. Je vais vous montrer ça. Mais comme ça, ça va bien avec mes Uggs. Voilà pour vous montrer du coup le manteau, comment ça fait. Mais j'aime trop. Alors tenue du dimanche, et dimanche ça veut dire rien de fou, en plus jour pluvieux etc. Juste court, c'est un peu balade en ville. Basket blanche, toujours les H que j'aime d'amour. Mon pantalon du coup c'est un pantalon de chez Bershka que j'avais acheté en début d'année et que j'adore, surtout là avec le contexte actuel. Mon sweat, c'est un sweat H&M je crois, genre que j'ai pris en XL l'an dernier je pense. Et pareil, j'adore porter ça pour ce type de journée et j'aime trop. Je vais juste vous montrer le manteau, mais on est sur un look pas si stylé que ça, mais hyper confo. Voilà pour le look final avec du coup la veste en jean de mon copain. J'aime bien les faire un petit peu loose, etc. Et toujours mon sac mage parce que je l'aime d'amour comme vous pouvez voir. Et voilà pour la petite tenue. On est sur un truc très loose, pas forcément très stylé du dimanche, mais c'est la vie. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. À me dire si vous aimeriez en voir d'autres, sous quel format, ce que vous me diriez d'améliorer, etc. À vous abonner du coup pour d'autres vidéos dans le style, d'autres vidéos de mode et des vlogs, lifestyle, etc. Mon prochain semestre sera pour l'instant toujours à distance. Donc les tenues s'annoncent pas folles, genre pour sortir tous les jours et tout. Mais je vais continuer d'essayer de m'habiller un petit peu et tout. Et de vous faire des vidéos en même temps avec des looks à la fois cosy et un petit peu plus stylé que juste en pyjama. Pour des jours en pyjama quand même. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.